We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque la mía, mi vida religiosa se enriqueció con las explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. وقال نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Comme livre, je voulais vous présenter ce livre qui s'appelle « Un chrétien lit le Coran » de Jacques Jaumier, qui est un dominicain qui a beaucoup vécu dans le milieu musulman et qui m'aide beaucoup pour ouvrir le Coran. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement dans ce livre, ce qui revient tout le temps, sans cesse, et ça c'est une idée très forte, c'est que Dieu est unique, que Dieu est un. C'est évidemment le monothéisme qui considère que la personne de Jésus-Christ, Jésus lui-même dont on parle dans le Coran, ne peut pas être Dieu, quoi. Et ça, cette proclamation du Coran est extrêmement forte. Il faut surtout retenir en entrée que si nous avons des dogmes très très différents, eh bien, nous avons des difficultés réelles dans ce dialogue dogmatique. Nous pouvons agir ensemble. Je pense toujours à Jean-Paul II qui est arrivé dans la mosquée de Damas et qui arrive et va prier en silence à côté du moufti. À genoux, le pape François lave les pieds à un dont ceux d'une jeune fille et elle est musulmane. De la part d'un pape, une humilité, un écuménisme historique. Et il recommence 12 fois, comme le Christ avec ses apôtres à la veille de sa mort. Avec à chaque fois un sourire de simplicité. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Très saint père, plusieurs d'entre nous, à maintes reprises et depuis plusieurs années, avons cherché à vous contacter et nous n'avons jamais reçu le moindre accusé de réception de nos lettres ou demande de rencontre. Vous n'aimez pas les mondanités et nous non plus. Aussi permettez-nous de vous dire très franchement
que nous ne comprenons pas votre enseignement au sujet de l'islam, tel que nous le lisons par exemple dans les paragraphes 252 et 253 de Evangelii Gaudium, parce qu'il ne rend pas compte du fait que 1 Jean 2, 22 est l'un des plus dangereux qui soit, du fait qu'il se présente comme l'accomplissement de la révélation dont Jésus n'aurait été qu'un prophète. Si l'islam est en lui-même une bonne religion, comme vous semblez l'enseigner, pourquoi sommes-nous devenus catholiques? Vos propos ne remettent-ils pas en cause le bien fondé du choix que nous avons fait au péril de notre vie? L'islam prescrit l'islam venant après le Christ et ne peut être qu'un antéchrist, meurtre des apostats, l'ignorez-vous? Comment est-il possible de comparer la violence islamique et la prétendue violence chrétienne? Quel rapport entre le Christ et Satan? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Conformément à son enseignement, nous l'avons préféré, lui, le Christ, à notre propre vie. Ne sommes-nous pas bien placés pour vous parler de l'islam? En réalité, du moment que l'islam veut que nous soyons son ennemi, nous le sommes, et toutes nos protestations d'amitié n'y pourront rien changer. En bon antéchrist, l'islam n'existe qu'en étant l'ennemi de tous. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Pour le Coran, les chrétiens ne sont qu'impureté, les pires de la création, tous condamnés à l'enfer, aussi Allah doit-il les exterminer. Il ne faut pas se laisser abuser par les versets coraniques réputés tolérants, car ils ont tous été abrogés par le verset du sabre. Alors que l'évangile annonce la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour le salut de tous, accomplissement de l'alliance initiée dans le peuple hébreu, Allah n'a rien d'autre à proposer que la guerre et le meurtre des infidèles en échange de son paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et se font tuer. Nous ne faisons pas d'amalgame entre islam et musulmans, mais si pour vous le dialogue est la voie de la paix, pour l'islam il est une autre façon de faire la guerre. Aussi, comme il l'a été face au nazisme et au communisme, l'angélisme face à l'islam est suicidaire et très dangereux. Comment parler de paix et cautionner l'islam, ainsi que vous semblez le faire? Arracher de nos cœurs la maladie qui empoisonne nos vies, que ceux qui sont chrétiens le fassent avec la Bible et que ceux qui sont musulmans le fassent avec le Coran. Rome, 20 janvier 2014. Que le pape semble proposer le Coran comme voie de salut, n'est-ce pas inquiétant? Devrions-nous retourner à l'islam? Nous vous supplions de ne pas chercher en l'islam un allié dans le combat que vous menez contre les puissances qui veulent dominer et asservir le monde, car ils sont tous en réalité dans une même logique totalitaire, fondée sur le rejet de la royauté du Christ. Nous savons que la bête de l'Apocalypse, cherchant à dévorer la femme et son enfant, a plusieurs têtes. Allah défend d'ailleurs de telles alliances. Et surtout, les prophètes ont toujours reproché à Israël sa volonté d'alliance avec les puissances étrangères au détriment de la confiance absolue qu'il faut avoir en Dieu. Certes, la tentation est forte de penser que tenir un discours islamophile épargnera un surcroît de souffrance aux chrétiens en pays devenus musulmans. Mais outre que Jésus ne nous a jamais indiqué d'autre chemin que celui de la croix, en sorte que nous devons y trouver notre joie et non la fuir avec tous les damnés, nous ne doutons pas que seule la proclamation de la vérité apporte avec le salut la liberté. Notre devoir est de rendre témoignage à la vérité, à temps et à contre-temps, et notre gloire est de pouvoir dire avec saint Paul « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Corrélativement au discours de votre sainteté sur l'islam, et alors même que le président Erdogan, entre autres, demande à ses compatriotes de ne pas s'intégrer dans leur pays hôte, que l'Arabie Saoudite et toutes les pétromonarchies n'accueillent aucun réfugié, expression parmi d'autres du projet de conquête et d'islamisation de l'Europe, officiellement proclamé par l'OCI et d'autres organisations islamiques depuis des décennies,
Très saint père, vous prêchez l'accueil des migrants sans tenir compte du fait qu'ils sont musulmans, alors que le commandement apostolique l'interdit. Si quelqu'un vient à vous en refusant l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. De même que « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger » ne peut pas signifier que Jésus aurait aimé avoir été un parasite. De même, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » ne peut pas signifier « J'étais un envahisseur et vous m'avez accueilli ». Mais « J'ai eu besoin de votre hospitalité pour un temps et vous me l'avez accordé ». Le mot « xénos » dans le Nouveau Testament ne renvoie pas seulement au sens d'étranger, mais à celui d'hôte. Et lorsque Yahweh, dans l'Ancien Testament, commande de bien traiter les étrangers parce que les Hébreux ont eux-mêmes été étrangers en Égypte, c'est à la condition que l'étranger s'assimile si bien au peuple élu qu'il en prenne la religion et en pratique le culte. Jamais il n'est question d'accueillir un étranger qui garderait sa religion et ses coutumes. Aussi, nous ne comprenons pas que vous plaidiez pour que les musulmans pratiquent leur culte en Europe. Le sens de l'Écriture ne doit pas être donné par les tenants du mondialisme, mais dans la fidélité à la tradition. Le bon berger chasse le loup, il ne le fait pas entrer dans la bergerie. Le discours pro-islam de votre sainteté nous conduit à déplorer que les musulmans ne soient pas invités à quitter l'islam, que nombre d'ex-musulmans, tels Magdi Alam, quittent l'église, écœurés par sa lâcheté, blessés par des gestes équivoques, confondus du manque d'évangélisation, scandalisés par l'éloge fait à l'islam. Ainsi les âmes ignorantes sont-elles égarées et les chrétiens ne se préparent pas à la confrontation avec l'islam à laquelle les a appelés saint Jean-Paul II. Ecclesia in Europa, numéro 57. N'avez-vous jamais entendu votre confrère Monseigneur Émile Nona, archevêque catholique chaldéen, exilé de Mossoul, nous crier « Nos souffrances actuelles sont le prélude de celles que vous, Européens et chrétiens occidentaux, allez souffrir dans un proche avenir. J'ai perdu mon diocèse. Le siège de mon archevêché et de mon apostolat a été occupé par des islamistes radicaux qui veulent que nous nous convertissions ou que nous mourions. Vous accueillez dans votre pays un nombre toujours croissant de musulmans. Vous êtes aussi en danger. Vous devez prendre des décisions fortes et courageuses. Vous pensez que tous les hommes sont égaux, mais l'islam ne dit pas que tous les hommes sont égaux. Si vous ne comprenez pas ceci très vite, vous allez devenir les victimes de l'ennemi que vous avez accueilli chez vous. C'est une question de vie ou de mort, et toute complaisance face à l'islam est une trahison. Nous ne voulons pas que l'Occident continue à s'islamiser, ni que votre action y contribue. Où irions-nous à nouveau chercher refuge ? Permettez-nous de demander à votre sainteté de convoquer rapidement un synode sur les dangers de l'islam. Que reste-t-il en effet de l'Église là où l'islam s'est installé ? Si elle y a encore droit de cité, c'est en dhimmitude, à condition qu'elle n'évangélise pas, qu'elles doivent donc se renier elles-mêmes. Dans un souci de justice et de vérité, l'Église doit montrer au grand jour pourquoi les arguments avancés par l'islam pour blasphémer la foi chrétienne sont faux. Si l'Église a le courage de faire cela, nous ne doutons pas que par millions, des musulmans et d'autres hommes et femmes cherchant le vrai Dieu se convertiront. Comme vous l'avez rappelé, celui qui ne prie pas le Christ prie le diable. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Avec le plus profond amour pour le Christ, qui, par vous, conduit son Église, nous, chrétiens venus de l'islam, soutenus par nombre de nos frères dans la foi, notamment les chrétiens d'Orient, et par nos amis, nous demandons à votre sainteté de confirmer notre conversion à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, seul sauveur, par un discours franc et droit sur l'islam, et vous assurant de nos prières dans le cœur de l'Immaculée,
nous sollicitons votre bénédiction apostolique. Je veux parler de ce que les papes de l'Église catholique ont dit à propos de la religion des musulmans, l'islam. Je veux couvrir quelques citations très intéressantes et puissantes sur ce sujet qui nous donnent une idée claire de ce qu'enseigne réellement l'Église catholique au sujet de cette fausse religion. Ensuite de quoi, je veux passer en revue quelques citations des prétendants post-Vatican II à la papauté, également connus sous le nom d'antipape Vatican II, et voir ce qu'ils disent à propos de l'islam. Le contraste entre ce que les papes ont traditionnellement enseigné au sujet de la religion des musulmans et ce que les prétendants post-Vatican II enseignent est tout simplement stupéfiant et renversant. Ces citations sont très intéressantes, instructives et importantes. Beaucoup d'entre elles sont dans notre matériel depuis des années. Cependant, en étudiant l'enseignement des papes, je suis tombé sur de nouvelles citations que je voulais partager. Je veux commencer par les deux citations papales probablement les plus importantes sur la religion des musulmans. La première dont je veux parler vient du pape Calixte III, qui a régné au XVe siècle, peu après le Concile de Florence. Dans son serment public daté d'environ 1455, il dit ceci, citation, « Je m'engage à exalter la vraie foi et à extirper d'Orient la secte diabolique de l'infidèle et réprouver Mahomet. » Fin de citation. Ainsi, selon le pape Calixte III, l'islam est une secte diabolique. Le mot diabolique signifie du diable. Il vient de diabolus, le mot latin pour diable. Donc ce n'est pas une bonne religion, c'est une mauvaise religion. L'Église désire la conversion de tous les musulmans. Elle essaie de les amener dans l'Église afin qu'ils puissent être éternellement heureux s'ils meurent dans la vraie foi et en état de grâce. Mais cette religion est du diable. Voilà l'enseignement de l'Église. Et le pape Calixte III qualifie Mohammed, qu'il appelle Mahomet, une variante de son nom, d'infidèle et de réprouvé. Passons au pape Eugène IV au Concile de Bâle en 1434. Il faut noter que l'Église n'a pas approuvé toutes les sessions du Concile de Bâle, mais seulement certaines. Elle a approuvé la session d'où provient cette citation, qui dit ceci, citation. « Il y a de l'espoir que de nombreuses personnes de l'abominable secte de Mahomet se convertiront à la foi catholique. » Fin de citation. Selon le pape Eugène IV donc, la secte de Mahomet, c'est-à-dire la religion de l'islam, est abominable. C'est une abomination. C'est quelque chose que Dieu abhorre. Ce n'est pas quelque chose qu'il respecte. La prochaine citation que je veux présenter vient du pape Pie II. C'est une nouvelle citation qui provient de son allocution à l'occasion de la procession de la tête de Saint-André le 12 avril 1462. Il dit ceci, citation, « Détourne la colère du Très-Haut contre les Turcs et les barbares impies qui méprisent notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Les Turcs désignent bien sûr les musulmans. Et il les qualifie d'impies. Ils sont sans Dieu. Leur religion n'est pas de Dieu. Le même pape Pie II, dans son discours du 26 septembre 1459, dit ceci. Citation. « La reine de l'Orient a vu dans ses murs le massacre du successeur de Constantin et de son peuple, la profanation des temples du Seigneur, le splendide monument élevé par Justinien, souillé par le culte abominable de Mahomet. Il marchera de victoire en victoire jusqu'à ce qu'il ait dompté tous les rois de l'Occident, renversé l'évangile du Christ et réduit le monde entier sous le joug de la loi de son faux prophète. » Fin de citation. Donc le pape Pie II, qui vient de les qualifier d'impies dans son discours, fait référence à leur pratique religieuse comme un culte abominable de Mahomet et se réfère à Mahomet comme un faux prophète. Soit dit en passant, Jean-Paul II a appelé Mahomet « le prophète » comme cela est couvert dans notre matériel. Passons au pape Clément V au Concile de Vienne de 1311 à 1312. Une citation très importante. Il dit que c'est une insulte au saint nom et une honte à la foi chrétienne que dans certaines parties du monde chrétien, les adeptes de l'islam sont autorisés à se rencontrer dans leurs temples ou mosquées dans lesquelles, dit-il, les sarrasins se réunissent pour adorer l'infidèle Mahomet. Et ils invoquent et vantent son nom chaque jour à certaines heures d'un haut lieu. Cela discrédite notre foi et fait un grand scandale aux fidèles. Ces pratiques ne peuvent être tolérées sans déplaire à la majesté divine. Nous ordonnons à tous les princes catholiques d'interdire expressément l'invocation publique du nom sacrilège de Mahomet. Fin de citation. Il fait référence à l'obligation, dans les États catholiques, de ne pas autoriser ce genre d'activité par les musulmans, et il appelle le nom Mahomet sacrilège. Et comme tous les autres papes, il reconnaît évidemment que l'islam est une fausse religion et une abomination. Revenons au pape Calixte III. Lors de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul du 29 juin 1456,
le pape Calixte III a adressé une bulle à tous les évêques, archevêques, patriarches, etc., et il les a entre autres exhortés à prier, et il a ordonné, citation, « de faire en tout lieu, le premier dimanche de chaque mois, une procession solennelle, dans le but de demander à Dieu qu'il daignât détourner de la chrétienté les dangers dont elle était menacée par les Turcs. Ce même jour, on devait célébrer la messe contra paganos et prêcher au peuple un sermon de circonstance. » Fin de citation. Il continue en citant la prière et il dit, citation, « Chaque prêtre, sans exception, était tenu d'employer la prière suivante dans chaque messe qu'il célébrait. Dieu Tout-Puissant et Éternel, à qui appartient tout pouvoir, et entre les mains de qui sont les droits de toutes les nations, protégez votre peuple chrétien et écrasez par votre pouvoir les païens qui ont confiance en leur férocité. » Fin de citation. Cette citation est particulièrement importante car elle traite de la Missa contra paganos, qui signifie la messe contre les païens, qu'il a instituée, et cette prière à propos des païens qu'il voulait que les gens récitent. Et c'est dirigé contre les musulmans. Ainsi, selon le pape Calixte III, qui a régné peu après le concile de Florence, les musulmans sont classés parmi les païens. C'est extrêmement intéressant, car historiquement la plupart des écrivains catholiques qualifiaient les musulmans uniquement d'infidèles, qui veut dire incroyants. Ce sont en effet des infidèles, mais on voit ici qu'ils sont aussi des païens. Le terme païen désigne généralement ceux qui adorent de faux dieux et le plus souvent ceux qui adorent divers faux dieux tels que les bouddhistes, les hindous, etc. Et pour cette raison, certains auteurs étaient d'avis que les musulmans n'étaient pas des païens. Mais nous voyons ici que ce n'est pas correct. Ce sont des païens parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Leur Dieu est faux, et cela est d'autant plus significatif que ça réfute complètement l'hérésie de Vatican II, selon laquelle ils adorent avec les catholiques le seul vrai Dieu. Parce qu'un païen vénère le seul vrai Dieu avec les catholiques? Bien sûr que non. La notion est scandaleuse. Et donc, si les musulmans doivent être classés parmi les païens, alors cela montre à quel point l'enseignement de Vatican II sur les musulmans est faux. Quand il dit qu'avec les catholiques, ils adorent le seul vrai Dieu dans Lumen Gentium, numéro 16, et Nostra Aetate. Les musulmans n'adorent pas le seul vrai Dieu. Ils rejettent la Trinité, ils rejettent la divinité de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et ce faisant, ils rejettent le Père. Je pensais conserver cette citation du pape Calixte III sur la façon dont les musulmans sont des païens pour un débat dans lequel un défenseur de Vatican II essayerait de soutenir que les musulmans adorent le seul vrai Dieu. Cependant, j'ai pensé qu'il était important de la diffuser. Passons au pape Léon X, du 5e concile du Latran, session 12, le 16 mars 1517. Il parle des Turcs et des autres infidèles, c'est-à-dire des incroyants. Citation. « Ils traitent la voie de la vraie lumière et du salut avec un mépris total et un aveuglement totalement inflexible. » Fin de citation. Voilà un autre concile œcuménique qualifiant les musulmans d'infidèles. Et toutes ces citations de vrais papes sont très pertinentes, car nous avons d'innombrables citations des antipapes post-Vatican II, non seulement dans leurs livres, mais aussi dans leurs discours, que le frère Michael a passé en revue. Et nous voyons Jean-Paul II, ou Benoît XVI, ou l'un des autres antipapes, qualifiant constamment les musulmans de croyants. Ce ne sont pas des croyants, ce sont des infidèles, des incroyants. Mais davantage sur ce sujet dans la partie suivante. La dernière citation dont je veux parler, dans cette partie, vient du pape Benoît XIV, dans son encyclique Quod Provinciale, du 1er août 1754. Il déclare que les noms turcs ou mahométans ne devraient pas être donnés aux enfants ou aux adultes lors du baptême. Et il dit que c'est si grave que ceux qui le font n'entreront pas au paradis. Il dit, citation, « Cela ne devrait pas être difficile pour personne d'entre vous, vénérable frère, car aucun des schismatiques et hérétiques n'a été suffisamment téméraire pour prendre un nom mahométan, et à moins que votre justice ne soit plus abondante que la leur, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Alors évidemment, il n'y a absolument aucun respect pour cette fausse religion.
إذا لو قيل لك المرء الرجل له 70 نحور العين، المرأة إيش لها؟ لها شال. مثلا قال أهل الجنة الواحد منهم ثوب لا يبلى وشباب لا يفنى وذكر لا ينفن، لها رجل فحل، لها ذكر، لها زوج، له ذكر لا ينفن. This person who left Islam, he will be the first enemy to Islam and Muslims and to Islam and Muslim countries. The biggest loyalty is the loyalty to Islam as a whole. The apostate, from an Islamic perspective, he's not going against his religion because Islam is not a religion. Islam is a way of life. So he will be changing his way of life, including his political allegiance, including his religious allegiance, including everything. So definitely this person will be a threat for the state, for the individuals, for everyone. And that's why the punishment is a capital punishment. الإسلام لم يكرم المرأة. الإسلام قلب المفاهيم وأجبر أتباعه عنوة على أن يروا في النقيض نقيضه، على أن يروا في القتل وجز الرقاب تسامحا، في سبي النساء رحمة، في سرقة الغنائم حقا، في مفاخذة طفلة صغيرة زواجا. وبذلك خرب البناء الفكري للأمة التي تتعامل باللغة العربية، وأنتج إنساناً لا يستطيع أن يميز بين النقيض ونقيده، إنساناً مشوش الفكر، مضطرب العقل، عقيماً كالأرض العاقر التي لا تنتج ولا تثمر. نكاح النبي محمد للطفلة عائشة لم يكن تكريماً لطفولتها. نكاح محمد للسيدة زينب زوجة ابنه بالتبني بعد أن رآها عارية ووقعت شهوتها في نفسه لم يكن تكريما لسيدة متزوجة. Im Koran, es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die Enthauptung von Ungläubigen werden zweimal im Koran genannt. Und Sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräueltaten begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich kehren und somit auch den Fundamentalisten den Rücken stärken. وهو مأمور بأن يبغضها على دينها مع بقائه في معاشرتها. وهذا أمر معتاد جدا. أو أقول لك كل من يغتصب امرأة بيحبها ولا يعاشرها فقط؟ يعاشرها من أجل جسدها فقط ولا يحبها في الحقيقة، ومع ذلك لأنه لو كان كذلك لما آذاها، ومع ذلك فيمكن وجود المعاشرة الجنسية دون حب، فهذا ممكن ومأمور هو كما ذكرنا بأن يبغضها. فتترك النصوص القاطعة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Dans l'islam, il y a un reniement total de Jésus-Christ mort sur la croix et bien sûr sa résurrection. C'est une question fondamentale dans la foi chrétienne, car la mort de Jésus à la croix et sa résurrection le troisième jour constituent l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Ce plan consiste à sauver l'homme du péché. Jésus est présenté dans la Bible comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Pourtant, la majorité des musulmans contestent que Jésus soit réellement mort crucifié. Celui qui ressuscite des morts, qui a donné sa vie pour tout temps. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu, celui qui est mort pour tous nos péchés. Celui qui s'est révélé à moi lorsque j'étais musulman, lorsque j'ai prié à la mosquée, et qui est venu à moi. Il m'a dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je voudrais du repos. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, il est mort pour tous nos péchés, mesdames et messieurs. Il s'est révélé à moi en esprit, en vérité. Lorsque j'allais à la mosquée pour prier, je faisais mes 5 prières par jour. J'allais pour prier, je jeûnais en même temps. Je croyais que ma religion était
une religion qui aimerait ramener au paradis, sauver mon âme. Mais Dieu, non. Dieu m'a dit non, c'est pas ça qui va sauver ton âme. Ce qui va sauver ton âme, c'est la foi en Christ. Et Jésus vous aime tout simplement. Donnez votre vie à Jésus. Le père Samir Khalil Samir est copte et jésuite. Docteur en théologie orientale et en islamologie, après plus de 40 ans d'expérience avec le monde musulman en Égypte et au Liban, il est aujourd'hui professeur d'études islamo-chrétiennes à l'Institut Pontifical Oriental de Rome, en Italie. Il n'y a que deux êtres au monde, selon l'islam, qui n'ont pas été touchés par Satan, à savoir Jésus et Marie. Dans notre religion, on peut parler d'une pureté absolue pour Marie et Jésus, paix sur lui. Et on croit que toutes les autres personnes sont touchées par le diable. C'est pour ça que je suis convaincue que Marie et son fils le Messie, paix sur lui, à travers leur pureté et leurs enseignements, m'aident à m'approcher de Dieu. Donc je suis désolé, d'un point de vue catholique, on ne peut pas dire, on ne peut pas admettre que les musulmans respectent vraiment Jésus-Christ et ni sa mère. Je rappelle que notre Sainte Vierge Marie, lorsque son divin fils a été crucifié, elle aussi, elle a souffert directement dans son cœur. Directement dans son cœur, très littéralement. Donc, non, il n'y a pas de respect. Enfin, on ne peut pas admettre, effectivement, cette notion, soi-disant, de respect, comme l'affirme, du moins, en tout cas, les doctrines de Vatican II. On peut comprendre, effectivement, que les musulmans pensent, effectivement, respecter Jésus-Christ, l'honorer, également la Vierge Marie, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc je vais juste citer, hein, ce sera plus simple. « Depuis quelques années, les catholiques ont entrepris un rapprochement avec les musulmans autour de la figure de Marie. Le groupe Ensemble avec Marie existe dans ce but. Mais pour arriver à cela, il faut gommer ou faire taire l'équivocité, des noms et des personnes qui se trouvent dans le Nouveau Testament et dans le Coran. D'un côté, il y a une femme dont la tradition catholique dit que ses parents sont Anne et Joachim, qui est la mère de Jésus, donc Yahshua. Donc ça, c'est la vraie Marie, hein, c'est la très sainte Vierge Marie, ça c'est la Marie de la Bible. Du Nouveau Testament, c'est la mère de Jésus. C'est la fille d'Anne et Joachim. Alors que dans le Coran, effectivement, il y a une certaine Marie, une Mariam, donc, qui est la fille, non pas d'Anne et Joachim, mais qui est la fille d'Imram, et qui est la mère, donc, de, non pas Jésus, mais Aïssa. Or, justement, alors, le texte de la Frate continue, il dit, quoi qu'il en soit de l'obscurité des textes coraniques, donc, les musulmans font de Marie une héritière du clan sacerdotal juif, et ils disent qu'elle est la sœur d'Aaron. Et donc, cette dernière précision montre toute la confusion dont est notamment coutumière et grosse la tradition coranique, car de fait, la sœur de Moïse et d'Aaron s'appelle Mariam, donc qui est en fait Marie aussi, enfin ça veut dire Marie, bref. Et oui, effectivement, la sœur de Moïse, hein, comme on le sait, comme on le voit dans les textes de l'Exode et compagnie, c'est Mariam. Donc manifestement, il y a eu clairement, sans doute à cause justement de ces sources impures qui ont servi justement à la composition du Coran, et qui de toute évidence ne sont pas des sources révélées, hein. Ce sont des sources, comment dit-on justement, apocryphes, pseudopigraphes, enfin je ne sais plus exactement le terme scientifique pour ça, bref, ce sont des sources apocryphes que j'ai déjà mise à jour, hein, si vous voulez, dans un certain nombre d'études qu'on a fait sur le fil des postes. Voilà, donc la Marie du Coran, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'effectivement, il y a une confusion, clairement, chez les auteurs ou l'auteur du Coran, qui s'est emmêlé les pinceaux, quelque part, mais voyez-vous, tout ceci, ce sont des signes. Ceci, ce sont des signes, il faut dire vraiment gloire à Dieu. Nos amis musulmans diraient Subhan Allah, nous disons gloire à Dieu, effectivement, puisque tout ceci montre, tout ceci est encore une fois, ce sont des pierres d'achoppement pour l'islam, ça montre effectivement ces espèces d'erreurs, qui ne sont même pas des erreurs tellement subtiles que ça, hein, mais qui ne s'expliquent pas autrement, effectivement, que par une machination, que par une construction qui ne peut pas être d'origine divine. Hein. Ce sont des erreurs tellement grossières que ça n'a absolument aucun sens, sinon de comprendre tout simplement que le Coran n'est pas révélé. Donc, tout ça pour dire, en fait, que la Mariam coranique n'est pas la très sainte Vierge Marie, et que la Aïssa coranique ne peut pas être notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez n'importe quel traité d'apologétique des grands docteurs de l'Église, hein, et en l'occurrence, moi, je suis un grand
disciple, enfin je me considère un petit peu comme un disciple au niveau de la méthode de saint Alphonse de Ligorie, qui a écrit notamment des choses très importantes, justement de réfutation de l'islam. Moi je m'inscris un petit peu, si vous voulez, dans sa lignée, enfin j'essaye de m'inspirer de lui en fait, hein, de sa méthode. Et c'est une méthode en fait très directe, hein. C'est-à-dire qu'ok, à la fois on peut admettre effectivement certains bons côtés chez les musulmans, voilà, ils peuvent effectivement, il peut y avoir des bonnes valeurs naturelles chez certains d'entre eux, chez même beaucoup d'entre eux, c'est pas un souci, c'est pas le problème. Là où est tout le but, si vous voulez, de la manœuvre, c'est de réfuter l'islam. De réfuter l'islam et d'amener les musulmans à la vérité, à la conversion. Et ceci doit être absolument clair. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté là-dessus. Il faut être extrêmement honnête là-dessus. Et ça, c'est la base, si vous voulez, de l'apostolat catholique. C'est-à-dire qu'il faut être patient, réaliste, il faut bien appréhender son sujet, bien connaître également le sujet dont on parle, être courtois, fraternel envers les personnes à qui on s'adresse, mais il faut être très clair. Il faut être très clair. Notre but, c'est de vous convertir. Notre but, c'est de vous dire l'islam n'est pas la vraie religion. Pourquoi ? Parce que A, B, C, D, etc., etc. C'est la base. Et c'est la méthode que nous, on emploie sur le Fidépost, puisque c'est la méthode catholique, hein, il n'y en a pas d'autre, en fait.